Alors, bande de bleubites, vous avez vu l'heure, c'est écrit quoi sur mon poignet? 19h, 19h c'est l'heure du stream. Et donc, tu abordes, c'est écrit quoi là-dessus? The Big Gameowski, et oui, comme tous les jours, fidèle au poste. Et t'as vu l'heure là? T'es pas encore préparé, t'as pas fait ton pack? Mind-toi mon petit bonhomme, parce qu'on part dans l'espace aujourd'hui, et on va roxer, et on va double roxer. La première raison, c'est parce que c'est une nouveauté. Ah, une nouveauté dans The Big Gameowski, ça y est, on sort des vieilles toiles d'araignée planquées dans les greniers. Bah oui, il faut que ça arrive. Et l'autre chose intéressante, c'est que c'est un shmup. Alors là, vous allez me dire, mais il est sorti tant de shmups cette année. Et je vais vous répondre tout de go, oui, plein de shmups nous avons cette année. Et en particulier, cette petite tendance à avoir du pixel love bien gras, comme on dit, c'est le cas qui va être sous vos yeux ébahis dans pas très longtemps, avec The Devil Engine. Un shmup sorti de nulle part, qui nous arrive comme ça, et qui va nous faire un... festival. Et on va y aller directement, plutôt que de tourner autour du pot, ce sera plus sympa. Zippikay. Normalement, je n'aurai même pas mon fail de démarrage, si tout se passe bien. Ou presque. C'est pas passé loin, les gars. Alors, je vous laisse noter que la démo, elle est accessible. Vous pouvez la trouver sur Steam. Donc, plutôt que regarder la vidéo, mais si, restez. je vous fais voir la démo, mais personne vous empêche de cliquer sur le lien qui doit être sûrement en bas dans la description et qui doit mener vers cet endroit magnifique où la démo vous tendra les bras, tout simplement. Allez, on fonce dans le tas. Chouic. Alors, les buttons, tire, normal. Ok, tu gardes appuyé, c'est normal. Alors ça c'est un petit coup à la Radiant Silver Gun, si je me prends des boulettes apparemment, ça c'est... Pardon, je regardais un autre truc moi madame, et oui. Et on a une esquive. Non? Si, regarde. Ça doit être ça. Faut que je teste. C'est ça, ok. Je vais pas être très très fort, c'est un scroller horizontal, c'est ma bonne excuse. Je vais pas être très très fort parce que je pense qu'il va m'en mettre plein la gueule aussi. Mais bon, j'ai de la volonté, j'envisage la vie du bon côté. J'aurais pu m'appeler Brian. Voilà. Je vais le garder celui-là. Parce que le L, ça doit être un laser et ça me plaît pas là tout de suite. Non, je ne suis pas très laser au débarrassant. Alors, homing, oui, c'est bien. Ça va bien avec ça en plus. Et dites donc, ça commence à arroser les mecs. Alors, le truc bien délire, c'est la BO. Il y a beaucoup de Pixel Love cette année qui sort, et puis, il y a des BO qui sont absolument hallucinantes. Ah, merde. Oh, finalement, bien choisir son armement, c'est pas mal. Et alors, sur les BO, les mecs se lâchent, hein. Ils se lâchent total, c'est pour ça que je n'ose pas trop parler. Oui, fallait bien qu'il y ait une blague, sinon quel intérêt? Oula, mais je suis pas bon en plus. Meurs et remeurs, saleté de créature d'espace. Vous avez vu ce BO, ça envoie. Pas de pause, rien, on enchaîne. Ok. Bon. Ish. Bah que oui, on continue.
Non, je ne te quitte pas, toi. Je sens que ça va bien se passer avec toi, à mes côtés. Je pense que la gestion du tir est assez délicate dans le jeu. Elle va permettre de passer certains niveaux plus facilement que d'autres, parce que c'est disposé de manière à bien faire chier, comme on dit couramment, c'est ça le terme, hein. Je vais pas inventer des termes qui n'existent pas. Oh là là, oh là là, oh là là, mais je suis dans Scramble là les gars, je passe où? Non, vous n'êtes pas très aimable. Je sais pas comment j'ai fait ça. Ne me redemandez pas. Et alors, toujours pas de bouton. Oui, bah j'ai bien fait d'avoir le homing pour ce passage, sinon j'ai un peu des doutes, quoi. Il aurait pu avoir un petit problème. Je ne te quitte plus, homing. Non, laser, attends, je ne te veux pas. Tu es très bien. Encore. Alors, aurais-je percé d'emblée une des, on va dire, forces ou lacunes du jeu? Ça dépend sous quel angle on l'aborde. Avoir le bon tir. J'aurais pu tirer un super pruneau, ça aurait été bien aussi. Oh, le crash de la honte. Et du coup, j'ai plus de bonus, plus rien. Bon, on va y aller à la bourre. Hein. Oula. Mais il s'enfuit, le lâche. Mais c'était un faux boss. Je me suis fait avoir comme un bleu. Ça va bien se passer, monsieur. Tout est cool. On est des petits gars cool. Tu sais qui tu me rappelles? Tu sais qui tu me rappelles? J'ai pas eu le temps de te le dire. Attends, je répète. Tu sais qui tu me rappelles? Il veut pas qu'on cause, je crois. C'est pas un boss, c'est une punition. C'est une fessée. J'ai pris quoi, là? J'ai pas vu. Eh bien, pour le découvrir, il faudra que vous essayiez le jeu. Voilà donc pour ce petit Devil Engine, très prometteur, très énervé du bulbe, qui fait quand même bien poêler. Il y a tous les ingrédients d'une recette de shmup très praticable et qui apparemment tient l'essentiel de sa force sur sa jouabilité. Et du coup, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à essayer cette démo, voire acheter le jeu quand il sortira, si c'est le genre qui vous plaît vraiment. Je vous laisse avec les deux streams habituels et je vous dis rendez-vous à demain, 19h. Demain, ça va être encore un bon stream. Je crois que cette semaine, on se fait que des bons streams. Allez, ciao.